Maniez-vous! Il doit y avoir un accident. Pourvu qu'il soit mort, parce que la pâtisserie ferme dans 10 minutes. On devrait faire une croix sur vos tartes. Vous êtes fou ou quoi? Attendez, si je me pointe sans rien, Carlos va me gueuler dessus en espagnol. Bon, prenez la contre-allée. Quoi? Y a personne dessus comme ça. Eh ben, on va pouvoir éviter ce merdier. Gabi, c'est une infraction. Hector, je transpire à mort dans ce pick-up et mon verre de vin me fait plus trop d'effet. Alors discutez pas. Maniez-vous. Peut-être qu'il a rien vu. Un second véhicule se dirige sur les lieux. Monsieur, savez-vous que cette contre-allée est réservée aux véhicules d'urgence? Oh, monsieur l'agent, si vous saviez comme on est content de vous voir. Vous pourriez pas nous escorter jusqu'à la pâtisserie? Elle ferme dans 10 minutes. Ça, c'est tout sauf une urgence, madame. Madame? Oh, bel exemple de violence policière. Carte grise et permis, s'il vous plaît. J'ai la carte grise. Et votre permis? Monsieur, est-ce que vous êtes citoyen des États-Unis? Hé! Hey, raciste en plus de ça! C'est pas parce qu'il a la peau foncée, qu'il conduit une épave et qu'il a un cintre tordu qui lui sert d'antenne que c'est forcément un clandestin. Gabi, bon sang! Il a des droits, il paye des impôts. Donnez-moi votre nom, monsieur l'agent. Martinez? Eh hey, merde! Donnez-lui votre permis qu'il nous lâche, celui-là. Hector? Veuillez sortir de votre véhicule et mettre les mains en évidence. Mais... Hector ? Célia, tu vas voir si je t'aime ça ! C'est votre pick-up, ça, non ? Pourquoi il bouge comme ça ? Où est passé mon mari? Où est passé le gâteau? Gabi, tu peux nous expliquer? M'engueule pas, s'il te plaît. C'était la première fois que je devais passer des vitesses. Je suis à bout de nerfs, Carlos. Où est Hector? Il s'est fait arrêter. Arrêter? Pourquoi? Ben, y avait des bouchons, la pâtisserie allait fermer. Du coup, Hector, totalement contre mon avis, a voulu prendre la contre-allée et la police nous a coincés. La police? Dresse, bas dans la voiture, fais vite. Mais pourquoi on n'a pas mangé? Ça m'est égal, on rentre. Où j'ai mis mon sac? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je crois que c'est des clandestins. Quoi? Ils vont expulser Hector? J'en sais rien, moi. Les flics l'ont embarqué en me laissant dans une caisse que je sais pas conduire. Carmen, attendez, on peut sortir votre mari de là. On va prendre un avocat. C'est bon, les mettre dans un bus et les renvoyer dès demain au Mexique. Je dois partir de la maison avant qu'ils trouvent notre adresse. Mais où est-ce que vous irez? J'ai de la famille qui vit au Texas. On restera chez eux en attendant que je trouve une solution. D'accord, mais Grace, quand est-ce que je la reverrai? Ça, je peux pas vous dire. Et au revoir, Grace. Au revoir, Gabi.